plutôt mourir. Ah bah oui. En fait, tu vois, le... À gauche, ils vont à droite. Alors... Les hommes s'avancent pour lire ces mots qu'ils savent mouvoir. Personne n'ose parler. Mon plus grand espoir, c'est que cette guerre finisse vite pour que nous puissions très vite reprendre notre vie d'avant au bord de notre Brière. Les cousins de Breca ont tenu parole. Aujourd'hui, ils arrivent en famille pour retrouver Emma et les enfants sur les bords de la Chalandière. Thank you.
dans ce labyrinthe des eaux dormantes. Sage comme moi, que de recevoir de si bon matin votre visite. Allez, prenez place à mes côtés et écoutez Dame Nature se réveiller. C'est la renaissance du jour, et avec votre visite, la promesse d'une belle journée. Tu sais, Mortain, en prix de fin d'année, j'ai reçu un livre qui raconte la vie d'Anne de Bretagne. Tout le long du chemin, les nobles et les villageois de tous les environs se pressaient pour la voir passer, celle qu'ils appelaient affectueusement leur duchesse en savoir. Rappelons-nous, avril 1917, les États-Unis d'Amérique viennent d'entrer officiellement. Et de nos rêves éphémères sont nés des histoires que nous nous plaisons. Thank you.
Elle tenait à montrer à son peuple fidèle son attachement sans limite. La traversée s'était faite dans un profond silence. Entre recueillement et contemplation, la reine avait redécouvert, avec humilité, le pays des eaux dormantes. Sur les berges du marais d'Uste, son carrosse l'attendait.